We are here in Russia, Moscow, and right next to me on my left is a legend, Zinedine Zidane. Here I've got my translator because I don't speak French. Yeah, I do a little bit, so it's okay. Nice to meet you. Nice to meet you. A legend. Nice to meet you. Enchanté, as they say. So. Well, let's start, Timsy. Let's do this. You know, cool. we're here in Russia. We're hosting the 2018 World Cup. We want to know, who are your favourites for this year? Is there a team that you're looking out for? C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'équipes qui seront favoris parce qu'une Coupe du Monde, c'est jamais gagné à l'avance, il va falloir la faire. Mais je pense qu'il y a de très belles équipes et peut-être que celle qui moi m'impressionne aujourd'hui le plus, c'est le Brésil. Do you have a favorite team maybe from outside of Europe? Is there a team that you're looking out for? Moi je vois justement le Brésil aller très loin, parce que c'est une équipe qui est impressionnante. What about France's chance? Do you think Mbappé should be starting? Is he a key player? Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, c'est un joueur très jeune, c'est un joueur qui va pouvoir s'exprimer justement pendant ce mondial. Et puis après, bien sûr que la France est un favori de toute façon, très intéressant pour pouvoir gagner justement ce trophée. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir bien préparer cette Coupe du Monde et ça va être très difficile pour tous les pays. If you could give me a five-a-side team of players you've played with, who would it be? Do you want a goalie or no? Yeah, goalie. Barthez. Barthez. Okay. Barthez. Ronaldo. Mm-hmm. Ronaldo le Brésilien. Mm-hmm. Il est phénoménal. C'est deux. Moi, numéro 10. Bien sûr. Yourself. I understood that. Il faut un bon défenseur, donc Roberto Carlos. Roberto Carlos, legend. That left foot. And Roberto Carlos. Et après, one more. Gregory. Gregory, come here. Gregory as well. Yeah. He doesn't want to come on camera, but it's Gregory as well. It's a good fight. That's a good fight. We've got the new World Cup ball. Obviously, you have won a World Cup with a very fantastic ball. Yeah. What do you think of the new design for the World Cup ball? Il est magnifique. Il est magnifique parce que c'est de toute façon les ballons, c'est la chose la plus importante pour un joueur. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, c'est toujours compliqué de toujours être dans la nouvelle technologie, c'est-à-dire faire des belles choses, et je trouve ce ballon très réussi. Alors, on n'a pas essayé dans le sens où moi je ne suis plus joueur, mais je le trouve magnifique, et puis ça me rappelle un ballon de l'époque en fait. Okay. Donc, c'était dans les années 70, donc c'est le Testa en fait. Donc, dans les années 70, c'est ce qu'ils ont fait. Talking of the World Cup, you know, we've spoken to some winners today. Mm. How did it feel to win a World Cup? How special is that moment? Un joueur de foot rêve en général de faire une Coupe du Monde. Ça, c'est la première chose. Mais après, quand on la joue, c'est forcément d'essayer de la gagner. Et quand vous la gagnez, quand vous arrivez, l'opportunité de soulever la Coupe, c'est la plus belle chose en fait qui puisse arriver à un joueur de foot. Ouais. Parce que c'est là, vous représentez votre pays, vous représentez. Et vous gagnez la Coupe du Monde, c'est très rare, la sensation elle est extraordinaire. C'est bizarre ou c'est normal ou... Non, vous n'y croyez pas en fait. Okay. Vous n'y croyez pas, on n'y croit pas parce que c'est... Parce qu'on sait qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire et on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer une Coupe du Monde. Enfin, pour beaucoup de joueurs, il y en a qui l'a joué une fois. Alors il y en a qui, certains joueurs peuvent la jouer deux fois, trois fois. Yeah. Mais il y a beaucoup de joueurs, de très 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 bons joueurs qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde. Okay, so it's like best unbelievable players who've never even played a World Cup. So yeah, you know what? I just like listening to you. I don't know what you're saying, but it's just enjoyable. I'm listening and I'm just smiling because it's Zinedine Zidane. But what was it? You understand French? Yeah. No? I understand languages. I'm good with people, but. I know you're saying it felt good, because surely it felt good, but we have this one as well. What was so special about the France team in 1998? Yeah. Because I was a Brazil fan, and I loved Ronaldo. Yeah. And they got to the final, and I remember being 6 years old, and when you won, I would cried so much, because I thought, no, they could do it. But even the belief that they could do it, something felt like you were going to take that. Yeah. What was that special French ingredient? Non, mais c'était spécial parce qu'en plus ça se jouait en France. Enfin, ce que je veux dire, on a eu la chance de pouvoir faire cette Coupe du Monde en France. Et l'affiche, donc l'affiche de la finale en fait, France-Brésil, c'est juste magique. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'était magique, magique. Puis après, c'était encore plus magique pour moi puisque j'ai marqué deux buts. T'as marqué deux buts, bien sûr. Deux buts. And then, what do you think was different? Like, I was going to say the Euros, but let me not go into Euros. No, because in Euros, like Portugal,
they came, like similar situation, but you know, France couldn't win. Ben, c'est différent, mais j'étais pas sur le terrain, donc c'est un peu moins. Yeah, he wasn't on the pitch. Ah. C'est un peu moins grave, même si je suis porteur de la France, c'est on le vit comme différemment. Quand on est sur le terrain, tu le vis pleinement. Quand tu es un peu retiré, tu regardes, tu es supporter, mais c'est différent. Is there a player from 1998 that you would put into this French squad? Yeah. Apart from yourself. Yeah. 98. Thierry Henry. Vieira. Henry. Oui, mais pour il y a moi, beaucoup Henry. De joueurs. Oui, Henry, Vieira. Ouais. On. Barthez. Barthez. Yeah. Lloris. Oh, okay. Fabien Barthez. Barthez, okay, cool. He seems like a character, like he was yes. A character, Barthez. Right? Yeah. Personality. Personality, very. Un peu fou. Yeah. No. He wasn't crazy. No. No. Fou, no. Bien, bon. Yeah. Bon gars. Bon gars, ouais. So Barthez was the key. Would you say he was the key player? Yeah. For the... c'était le joueur clé? Ouais. C'était un joueur très important pour nous. Ouais. Très, très, très important. So you've been in many finals. What's the difference between a Champions League final and a World Cup final? The emotions. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Les finales, en fait, c'est... Ce qui est difficile et l'objectif, c'est toujours d'arriver à une finale. Ça, c'est très difficile. Après, quand vous arrivez à la finale, c'est pour moi, la finale de la Champions League, la finale de la Coupe du Monde, c'est bon. Alors, on va la mettre un petit peu en dessous, mais c'est la même émotion. Ouais. C'est la même émotion. C'est la finale, les émotions. C'est une finale. Oui, une finale, c'est une finale. Finale de Champions League, finale de Coupe du Monde, une finale de championnat d'Europe, c'est. Enfin, pour moi, les émotions, c'est un petit peu la même chose. Does he have any tips for players coming to the World Cup for the first time? Vous avez des conseils pour les joueurs, les jeunes joueurs? Jeunes joueurs. Oui, des conseils. Travail. Oui. Travail, tout le temps. C'est jouer quoi? House music. House. I'm joking. You, yes. Me, yeah. Okay, you are obviously now. You were a football legend on the pitch. Now you're a manager, and again you're a legend. You know, I was in Wales, you won the Champions League. And, you know, not many people can do this. Go from the pitch to the manager and be so successful. Does it feel better for you when you won it as a player or as a manager? C'est la même, c'est pareil. C'est ce que je veux dire, j'ai profité, j'ai adoré jouer au foot parce que c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que j'aimais faire. Maintenant, on se demande en fait la différence entre jouer et entraîner. Entraîner, c'est beaucoup plus difficile. Donc, oui. Parce que quand vous êtes joueur, vous pensez qu'à vous. Vous pensez. Vous pouvez même contrôler toutes les choses. Oui, et puis vous pensez, même si moi j'ai beaucoup pensé à l'équipe quand je jouais, je pensais quand même à ce que je faisais moi. Ouais. Alors qu'entraîneur, vous pensez quand même à un groupe, vous pensez à être 4, 25, 26 joueurs. Et c'est ça la difficulté, mais c'est ce qui rend aussi le truc très intéressant pour moi. C'est que c'était mon challenge, en fait, c'était de pouvoir me dire est-ce que je vais y arriver en tant qu'entraîneur. Ouais. Et aujourd'hui, ben, je me dis que je suis content de ce que je fais en tant qu'entraîneur, même si c'est jamais gagné. Can you come to Liverpool? I like Liverpool. You want to be the manager? I like. No, manager. Klopp. Klopp and Zidane, both of them. I want to. Well, merci beaucoup. Okay, merci. Merci. Wow. That was Zinedine Zidane. I'm going to watch the interview after with the translations and fully understand what he was saying. Yeah. I actually really enjoyed it anyway. He's a legend. That was Timothy, a wonderful translator. Thank you. Comment, subscribe, and have a nice. Have a nice. Have a nice. Have a nice. Yeah. Have a nice.